Mais parce qu'on n'avait pas de choix, parce qu'on n'avait pas de thunes, et que la seule solution c'était de jouer sur une batterie électronique. Alors les parties ont été jouées sur une batterie électronique par Brice, qui aussi avait une batterie électronique, parce que voilà, c'était sonoriser une vraie batterie, ça coûte cher en micro, etc. Et en studio, etc. Donc là, on pouvait le faire un peu comme on voulait, et vu qu'on a tout enregistré maison chez Yannick à l'époque, vraiment à l'arrache, dans la chambre de Yannick avec ses pantoufles et son chat et son père à côté, quoi, c'était vraiment fou. Et c'est pour ça que quand on voit ce que ça a été après, c'est super rigolo. Et on l'a enregistré pendant, ça a duré 8 mois, quoi. Enfin, c'est vrai, ça a duré, je crois, 8 mois. Ça s'arrêtait jamais. On revenait tout le temps, parce qu'en fait, vu qu'on avait le temps, qu'on s'en foutait, on revenait, ouais, on va remixer ça, on va rejouer ça, etc. Oh. Ça a duré 1000 ans. Et on l'a sorti, et bon, pff, nous, on était là, voilà, on aime plus. Ouais, ouais. Et on n'a plus de recul, ni rien du tout. Et voilà, tout le monde a. Et je crois que le fait. Alors, c'est pas bien, mais je crois que le fait que ce son ait été comme ça, ça a créé un truc aussi. Mm-hmm. Bah oui. Il y avait un côté bizarre. Ce que les gens entendaient que cette batterie, oui, qui a apparemment été programmée. En tout cas, il y avait le mythe de genre, voilà, ça a un son carton beaucoup plus qu'une batterie acoustique. Oui, forcément. Le son, parfois à l'époque, il tapait. Mm-hmm. Et du coup, les gens se disaient, ouais, mais bon, le batteur, attends, pour qu'il joue sans live. En fait, tous les gens qui voyaient Brice en live, voyaient qu'il faisait deux fois meilleur que la programmation qui était. Alors les gens étaient écœurés parce qu'en fait, le batteur avait vraiment le niveau. Expérience douloureuse, compliquée. On n'était pas assez prêt pour aller en studio. C'est la première fois qu'on allait dans un studio, tu vois, ailleurs que chez nous, quoi, avec un producteur, Fred Foulquier. On est allé chez lui et lui, je pense qu'il n'était pas prêt non plus à ce qu'il allait prendre, et nous, on n'était pas prêt à s'en aller au truc. Et ça a donné lieu à un enregistrement qui a duré. Rigole, parce que je vois ce que tu veux dire derrière. Ah ouais, et ça a donné lieu à un enregistrement fleuve qui a duré beaucoup trop longtemps, beaucoup. Enfin, ça a été la quatrième dimension. C'était à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, à Mérignac, ça a duré plus d'un mois. Enfin, un mois et demi. Moi, j'ai échappé au traumatisme. Heureusement. Et c'est vrai qu'on est tous sortis de là. On était rentrés dans la cour des grands, dans le côté, il faut se préparer pour aller à un enregistrement. Et il faut aussi choisir bien les personnes, parce que je sais pas si c'était la personne la plus appropriée avec cette musique-là. Mm-hmm. Même si j'adore ce mec, c'est pas la question. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas un mauvais mot, mais c'est pas du tout. C'est énorme erreur de casting. Voilà. Mais ça correspondait pas le mec à ce qu'il aurait fallu. Ouais. Psychologiquement et même dans le son. Mais c'est le dernier mec à choisir pour Psycup, quoi. Voilà. Donc à l'époque, c'était nos managers qui ont voulu ça. Et on a suivi, et en effet, nous, on est pas contents, mais du tout du son de Tonal Faction. Il n'y a aucun Psycup qui aime ce son. Mais ni la jury, hein. Je suis pas arrivé à ce moment-là, mais voilà. Après, moi, j'ai justement un avis qui est peut-être presque, enfin, au moins différent et intéressant que le leur, parce que moi, je n'ai pas participé à l'enregistrement, et j'y trouve, par rapport à la compo, une fraîcheur très très particulière qu'on ne retrouve pas sur les deux autres. C'est différent, on va dire, que l'intérêt est ailleurs sur les deux autres. Ouais. Et après, même si le son en fait est plus, je sais pas, plus sec, ou les voix moins traitées, enfin bon, il y a quand même cette jeunesse en fait de départ qui est marquante. Ce que j'aime, c'est que vraiment, je trouve que les guitares sont très très bien foutues. En fait, ça fait grosse mise à plat. Et ça fait pas son de merde. Mm-hmm. Voilà, ça fait pas son de merde. La seule véritable erreur, c'est on va dire que c'est la basse techniquement, parce que ça s'entend, hein, qu'il y a un problème avec. Mais je pense que l'ingé son dont vous parlez là a quand même bien rattrapé c'est tout ça. C'est la batterie, moi je trouve, qui est très moche. Et les voix, pas traitées. La basse, c'est dégueulasse, hein, je trouve. Hein, non, mais la basse, elle est quasiment pas. Ouais. Parce que le bassiste de l'époque était pas prêt, encore moins prêt, c'est-à-dire que lui, il était intérimaire, quoi, il dépannait. Il est arrivé un peu fiero en studio, je vais le faire, et en fait il s'est retrouvé face à un truc où il s'est fait bloquer psychologiquement par le mec qui faisait le son, qui va au contact, et il l'a vite bloqué, et donc du coup il a désappris à jouer alors qu'il savait jouer, quoi, et il l'a bloqué. Ouais, et ça, du coup, ça, on a dû triquer la basse à mort parce que ça rentrait pas. Puis à l'époque, déjà à l'époque, si on pouvait recaler des trucs, mais lui il était pas assez compétent pour recaler les trucs très vite.
et tout prendrait trois plombes. Et donc c'est vrai que ça a été, ça a été fou. Et c'est genre d'album, des groupes split après ce genre d'enregistrement. Et nous, en fait, non, bah, nous, on était encore assez cons et frais pour délirer. Et voilà, ça, et puis bah, surtout, c'est surtout aussi que ça a marché très bien. Ouais. Et que pour l'époque, c'était assez fou qu'on en a vendu 5000, alors qu'à l'époque, c'était. Voilà, c'était 6005. Donc, 6005. Ça, voilà, à l'époque, c'était énorme. Beaucoup, et ouais. ça a vraiment pété, le groupe a pété, c'était fou. Ouais. Et on est devenu un peu le truc, la sensation spé en France du métal français, blabla. Et voilà, et après on a fait des albums moins dans l'esprit du premier en plus, ce qui fait que les gens ont été un peu plus paumés et on est parti dans d'autres directions. Mmh. Et le troisième, alors ça a été carrément. Quand je le réécoute aujourd'hui, je fais bon. Mais moi, si Zenobis ont accepté ça, c'est. Tu mettrais une prod comme celle de ton réflexion sur Will of You All, je pense que je pourrais dire que le son est raté. Ah voilà. Bah, oui, oui. Mais pour cet album là, bah, on va dire que ça tombe plutôt bien en fait. Oui, non, mais quelque part, oui, même le deuxième, l'approche chez Gojira du deuxième, elle est cohérente aussi avec ce qu'on faisait. Oui, mais il n'y a pas. C'est des époques, c'est des instantanés d'une époque. Voilà, ouais, ouais, ouais. Je suis sûr que tu mets ces deux albums, tu fais un comparatif, t'en mets un très très bon système de diff en fait, et que tu montes le temps de la réflexion, tu vas pouvoir le monter beaucoup plus fort. Que l'on verra pas, parce que l'on verra en fait est très agressif très vite. Ouais. Tu t'arrêtes, hein, voilà. Stéphane Bézenard. Mais c'est des grosses périodes de remise en question en fait où. Là, bon, les bassistes, on avait l'habitude. Après, oui. Mélanie, ça a été une histoire. C'est pour ça que j'ai dit bon. Voilà, les bassistes, ça a beaucoup bougé, beaucoup bougé, etc. Mm. Après, Mélanie, c'était aussi une histoire particulière, donc c'était compliqué. Mais quand Yannick a décidé d'arrêter, là c'était. En plus, il devait nous enregistrer, donc il a arrêté vraiment un moment clé. Il a arrêté le premier jour d'enregistrement. Voilà. Donc on était dans la merde. Là, vraiment, il y a beaucoup de groupes encore qui respectaient. Il voulait annoncer vraiment. Voilà. Il devait produire l'album. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est solide parce qu'on s'est réunis chez toi, dans l'ancien chez toi, avec des bougies le soir, avec de l'alcool, et on a fait bon. Qu'est-ce qui se passe quoi, quoi. Voilà. Ah non, mais c'était limite la séance de spiritisme quoi. C'est-à-dire, réveillons ce qui est en nous pour voir si on a vraiment les couilles de le faire. On avait tous envie de le faire cet album. Ça nous est chié, ouais. Parce qu'on s'est vraiment demandé si on allait arrêter. Et Vida déjà avait remplacé Mélanie à la basse à l'époque, et on avait commencé Manimal et à côté. Et donc Vida a dit, bah, logiquement, moi je suis gratteux, je vais passer à la guitare, remplacer Mélanie. Mais du coup, il nous fallait un bassiste alors qu'on avait un gratteux qui venait de partir. Tu me suis. et du coup, on a recontacté Pélo qui avait été bassiste dans Psycup il y a longtemps. C'était ça que vous avez recontacté? Je crois que ça, on a directement pensé le à premier. Ah ouais, le premier choix. Je me souviens du coup de fil de Vida quand même. Voilà, il t'a appelé. Parce que moi, un an avant, j'avais essayé de revenir dans le groupe, mais j'ai même pas eu le temps, j'avais bossé deux morceaux. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me rappelle pas de ça, cette histoire-là. Mmh. Mais en fait, à l'époque, Vida était bassiste intérimaire, mais il comptait pas rester. Ah, donc je t'avais demandé, d'accord. Et donc, voilà, ils avaient préparé un casting pour remplacer Vida. Et moi, je sais plus comment j'avais eu vent de cette histoire-là. Enfin bon, je m'étais reproposé, puisque après mon premier passage en 98. Mmh. Et c'est fou tout ça quand on y repense. Ouais. Et j'avais bossé deux morceaux très studieusement. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de faire l'audition, puisque entre temps, vous aviez fait un choix différent en fin de compte. Vous aviez gardé Vida à la basse. Ouais. Voilà. Donc j'étais content. Ouais, voilà, inutile de dire, quand on a passé des heures et des heures à bosser deux morceaux et qu'on nous rappelle en nous disant oui, finalement ça sert à rien. Monsieur, tu te rappelles, tu nous as planté. Mais, là, je me suis dit, c'est donnant. Enculé, ça y est. Même pas voulu. Et sans danger, voilà. Mais après, voilà, donc on a. Et voilà, là, on a une formation qui, pour une fois, est devenue solide et qui n'a plus bougé. Enfin, jusqu'à ce qu'il s'en aille. on a fait l'album, on a fait la tournée, ça s'est bien passé, voilà. Ça nous a bien remis le pied à l'étrier du coup. Grâce au Gojira aussi, parce que le Gojira du coup, il nous manquait aussi un studio. Du coup on était avec Manimal juste avant, ils trouvaient le panier dans l'urgence quoi. Donc eux, hyper occupés, donc on a enregistré entre Noël et le jour de l'an quoi. Ah oui. C'est vrai. Ah bon, on n'était pas chez eux, on n'avait pas pas. Nous on était, on a fait genre, Joyeux Noël, ouais, bon, allez, alors jute, on y va. Et en fait, nous on est allé faire les voix le 26 décembre. On se pelait le cul. Le jour du tsunami là, on se pelait ultra le cul. Ouais. C'est là où on s'est vraiment pelé. Il faisait très froid en bas chez Gojira. Dans les bois là. Dans les bois là, la nuit, en fait, il n'y a pas de toilette en plus. Donc, si tu veux pisser la nuit, il faut aller dehors. Ouais. Donc, déjà sortir de ton lit, c'est une aventure parce que tu prends moins 20 degrés. Dans les pioles, parce qu'il y a des pioles en fait. Mais c'est, on est dans un grenier. On est dans le grenier dans le sud. Enfin, là, on enregistre à côté de. Et putain, qu'est-ce qu'on avait froid. Et 3-4 couvertures. Ah oui, c'est. Mais avec Vida, on avait compté, on était à 7 ou 8, je crois. Vous aviez enregistré quand même des conditions avec du chauffage quand même ou... Oui, mais la nuit, laisser le truc allumé, ça craignait, ça pouvait prendre feu. Enfin, on a fait ça dans ces conditions-là. Et c'est là, en plus, on a commencé, on était déjà dans l'optique de faire d'autres groupes à côté et tout, donc on commençait à être hyper.
les albums ont commencé à s'espacer dans le temps aussi à cause de ça. On avait sorti le fameux Acoustic Remix aussi entre les deux albums pour faire patienter. Mais ouais, ça a commencé à s'étioler plus dans le temps. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fauté en premier avec Avoir Fidèle. Il m'a ouvert la porte après que j'en fasse d'autres, que moi aussi je n'osais pas. Puis... Ça va vraiment faire, je fais la même interview à chaque fois, donc j'ai cité Steve Lossard de Pearl Jam dans l'interview précédente qui disait qu'un groupe de musique c'est comme un couple, mais tu as le droit de découcher. C'est une belle image justement pour arriver à s'aérer en fait artistiquement et ne pas vivre justement dans la frustration dans son groupe parce que par exemple tu as envie de développer quelque chose d'autre, mais tu sens bien toi-même que par exemple esthétiquement ça va pas aller exactement, ça ne va pas servir le groupe. Donc tu peux faire quelque chose à côté, et puis voilà, puis même au niveau des personnalités avec lesquelles tu es, pour moi tu apprécies beaucoup plus de retrouver en fait tes potes si tu vas dans d'autres groupes humains à côté, vivre d'autres choses, pas pire, pas mieux, en fait, mais différent. Mmh. Du coup, voilà, tu reviens dans le cycle, c'est quelque chose, avec des choses un peu moins bien, des choses beaucoup mieux. Pour moi, ça a plutôt été une richesse, en tout cas pour moi, et je pense pour nous tous. On nous a souvent dit « Ouais, mais vous ne vous concentrez pas sur un groupe, tout ça, c'est pour pousser le truc, pousser le truc. » Je pense que nous, on est comme ça. On est déjà, je pense, très... Il y a ce côté hyperactif dans Psycup, donc pas mal de personnes dans Psycup, qui fait qu'on a besoin de faire beaucoup de choses. Mmh. Besoin d'extérioriser, c'est d'être névrotique. Sûrement. Voilà. Et puis... Et puis, le fait de gagner soi-même individuellement, en fait, alors en expressivité, en technique aussi, tu vois, en allant chercher d'autres choses. Moi, aujourd'hui, par exemple, avec Psycup, j'hallucine, en fait, comme je chante dans Psycup avec beaucoup plus de simplicité qu'il y a 5 ans, 6 ans. J'hallucine complètement. Même les harmonies, des fois, tu vois, je suis là, c'est cool, pas de soucis. Alors qu'à l'époque, forcément, ça me crée des difficultés sur certaines choses, je sais pas quoi. Parce que j'ai vécu autre chose, j'ai eu un autre regard sur la musique. Ouais. Par définition, si j'avais eu un seul groupe et que j'étais dans le même truc, je n'aurais pas eu ça. Donc ça a été une richesse culturelle que chacun fasse ça.